Bonjour les monarques, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette mini vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce vendredi 1er octobre. Les monarques, je rappelle que vous êtes les signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. D'ailleurs, on finira cette vidéo avec un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti pour les énergies générales pour ce vendredi 1er octobre, les monarques. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'hélice déjà, l'hélice qui nous parle de noblesse d'âme, hein, qui nous parle de droiture, d'intégrité, mais qui peut aussi nous parler d'homme de loi. On a les enfants, donc je ne sais pas, peut-être que vous attendez une décision de justice aussi, peut-être par rapport à un divorce, une garde d'enfants, je ne sais pas. On a la maison. Oui, c'est possible aussi que certains, vous soyez en procédure de séparation et que vous attendiez peut-être, je ne sais pas, un compte-rendu de jugement, en fait, par rapport à peut-être la garde de vos enfants. C'est possible. Mais cette première rangée nous indique aussi que pour vous, la famille, c'est quelque chose de très important, que vous prenez grand soin de votre foyer. Les enfants représentent ben, vos enfants, mais représentent aussi votre côté maternel, cette bienveillance dont vous pouvez faire preuve. De toute façon, c'est dans vos traits de caractère, hein. Vous êtes des personnes bienveillantes et du coup, ça se traduit dans cette première ligne avec vraiment cette... vous mettez vraiment vous êtes intègre hein, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de votre famille. Vous êtes quelqu'un d'engagé par rapport au bien-être de votre foyer. Et c'est ce qui fait toute votre noblesse d'âme également. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier qui annonce quelque chose. Donc effectivement, hein, si vous êtes en instance de divorce, si vous êtes en séparation, il est possible que vous attendiez des nouvelles justement de ce juge, hein. Bon, ben, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Le cavalier annonce le trèfle, c'est-à-dire annonce la chance, la bénédiction pour ce vendredi 1er octobre. Peut-être aussi que ce cavalier annonce que vous allez recevoir de la famille aussi ce week-end. C'est possible que ce vendredi, vous prépariez, vous commenciez les préparatifs de ce week-end où votre foyer sera peut-être l'endroit où votre famille va se réunir. Hein. C'est tout à fait possible. On a les étoiles. Les étoiles aussi qui nous annoncent que le souhait est exaucé, hein, nous annoncent quelque chose d'heureux, hein, quelque chose qui fait plaisir. Hein. Voilà, si vous aviez envie, très envie de recevoir votre famille, ben, c'est chose faite. Hein, vous allez, je vois qu'au niveau de ce foyer, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se dégage. Et puis, si vous attendiez des nouvelles par rapport à un enfant, peut-être une décision de justice ou quelque chose, eh bien, votre vœu va être exaucé. Hein, vous avez vraiment ce cavalier qui annonce la bénédiction, le vœu exaucé. Donc, cette dernière ligne, elle est vraiment magnifique. Hein. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, pour vous, les monarques, c'est vraiment une journée sous le signe de la loyauté, de l'intégrité, de la noblesse d'âme. Vraiment, avec ce trèfle et ces étoiles, ce cavalier qui annonce toutes ces bénédictions, c'est vraiment une très, très belle journée qui s'annonce pour vous. Voilà ce qu'on peut dire. C'est trop beau. Allez, on y va. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a une qui vient de se retourner. Oui, c'est celle-ci. Une carte pour les Balances, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci qui se met de travers. Et une carte pour les Verseaux. S'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Hop. Allez, on y va. Les Gémeaux, aujourd'hui, on te demande de dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible. Tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur. Cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Ah, des choses à dévoiler, les Gémeaux. Allez. Les Balances, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour. Alors que l'humour soit le symbole de cette énergie, cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Excusez-moi.
Verseau, aujourd'hui tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier, même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience. Sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Alors je ne sais pas quel peut être cet endroit, hein. Ça se trouve c'est un endroit, ça se trouve c'est un endroit à l'intérieur de toi où tu vas découvrir quelque chose, hein. Et du coup, ça va te sortir de ta zone de confort. Tu vas avoir une révélation sur toi, je ne sais pas. Allez, c'était cette petite vidéo que je vous laisse avec grand plaisir, les monarques, pour ce vendredi 1er octobre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.